C'est parti pour mon expérience avec les mini circulaires. Coucou à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Cassandre, je tiens la chaîne YouTube Cassie Tricote et je vous partage un petit peu tout ce que je fais au tricot. Aujourd'hui, je vous partage mon expérience avec les mini circulaires. En effet, pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai décidé de tester ces toutes petites aiguilles circulaires comme ceci, voilà. Parce qu'on m'a tellement dit de bien sur ce matériel, sur ces toutes petites circulaires, pour tout ce qui est tricot avec des petits tours comme les manches. Là, je viens de relever les manches, la première manche de mon pull Mercredi Adams, voilà. Et on m'a tellement dit en fait que ça facilitait la vie pour les petits tours quand on tricote sans couture que je me suis dit, allez, il faut tester, il faut essayer. Je ne peux pas ne pas essayer. J'en ai pris avec une pointe plus courte que l'autre. Vous voyez, on a une pointe qui est plus courte et une pointe qui est plus longue. La pointe plus courte sert à piquer les mailles et l'autre, c'est pour les faire glisser. Donc, j'ai décidé de vous faire mon expérience au fur et à mesure que je les découvre et que je les utilise. Je viens de faire seulement deux rangs avec et pour l'instant, les deux premiers rangs, je vais pas vous mentir, j'ai galéré. Clairement, j'ai galéré. Clairement, j'ai trouvé ça pratique, j'ai du mal à tenir la plus petite pointe d'un côté, j'ai du mal avec le fait que je trouve qu'il y a beaucoup de mailles qui sont tassées sur une aiguille. Pour l'instant, je galère, mais est-ce que je vais abandonner pour autant? Bien sûr que non, je vais quand même persister, je vais quand même continuer d'essayer parce que j'aimerais vraiment y arriver. Donc je vous fais au fur et à mesure des petites prises vidéo, plus je les utilise afin que vous ayez vraiment mon vrai retour d'expérience. Mais là, je voudrais faire de l'ajouré. J'ai l'impression que si je fais ça, je ne vais pas arriver à piquer. Mais j'ai du mal à tenir. Alors, est-ce que c'est moi qui ne tiens pas bien? Allez, j'essaye quand même. À mi-parcours, on va dire, de mon troisième rang avec les mini circulaires. Le troisième rang, ça commence tout doucement à la fin du troisième rang à être un peu plus fluide. Je commence à rencontrer un peu moins de difficultés. Bon, il faut dire aussi que je me suis lancée là dans un point ajouré dans ce troisième rang, donc c'est peut-être aussi pour ça que les premières mailles ne sont pas faciles pour moi. Ça peut être aussi par rapport à ça parce que c'est un rang, parce que c'est un point qui n'est pas forcément le plus simple à faire déjà de base avec des aiguilles normales, enfin normales, pas mini circulaires en tout cas. Avec les aiguilles dont j'ai l'habitude, c'est pas toujours non plus le plus simple. Donc voilà, on va vraiment pouvoir juger, c'est quand après là je vais passer avec la couleur noire en point de sable. Et là, vraiment, le point de sable, c'est un point que j'ai aucun mal à faire en général. Donc là, ça va être plus facile de juger là-dessus. Mais n'empêche que j'ai vraiment du mal à tenir cette petite pointe-là d'un côté. C'est pas facile. Pourtant, j'ai l'habitude, quand je prends des aiguilles interchangeables, de toujours prendre les plus petites pointes. Quand j'ai commandé mes Xiaogu, j'ai commandé les pointes les plus courtes qu'il y avait pour le kit complet que j'ai commandé. Donc ça me fait bizarre quand même d'avoir du mal par rapport à ces petites pointes. Pendant deux jours de m'habituer à ces mini circulaires et très sincèrement j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal et je me retrouve à avoir à nouveau mal à la main alors qu'avant je n'avais plus mal du tout. Je n'avais pas eu mal à ma main comme ça depuis que j'étais passée aux aiguilles circulaires classiques. J'avais mal à ma main avant quand j'utilisais des aiguilles droites mais j'avais plus mal et là je me remets à avoir mal.
Donc j'ai décidé de quand même changer pour des circulaires comme celle-ci. J'ai vraiment envie d'essayer d'y arriver à faire des tours sans avoir à sortir le câble entre deux mailles. J'ai vraiment envie d'y arriver. Donc je vais prendre cela qui était dans mes aiguilles Xiaogu. Le câble est un peu plus grand que celui des mini circulaires ici parce que je me dis peut-être que c'est dû à la taille du câble car il y a quand même pas mal de mailles sur cette manche. Donc peut-être que c'est à cause de ça. Du coup, je vais basculer les mailles de mes mini circulaires ici sur ces petites circulaires là qui sont quand même des petits câbles. Ici, c'est une petite pointe, tout vient du site Rascol, voilà. C'est des pointes vraiment mini que j'avais acheté dessus. Je ne sais plus pourquoi j'avais acheté ça. En plus, ça ne m'avait même pas servi. Maintenant, ça va me servir. Donc, je vais tenter avec ça et on va voir si j'y arrive mieux. Donc, ça, c'est les mini circulaires que j'avais donc utilisés juste avant. Maintenant, je vais tenter avec celles sur lesquelles je viens de mettre mes mailles et on va voir de cette manière si c'est plus facile. Ah bah là c'est pas pareil. Bon, ça débute mieux déjà. J'ai plus de facilité à la prise en main, j'ai plus d'aisance pour placer mes mains. C'est un peu mieux, ça me plaît mieux déjà. On est sur un bon point de départ. Du coup, pour les infos, j'ai changé. J'ai décidé d'utiliser en fait un petit câble et des petites pointes que j'avais acheté sur Rascol de la marque Xiaogu. Pour info, alors je vais vous mettre de toute façon une capture d'écran. Mais pour info, donc, il s'agit du combo pointe câble twist lace short Xiaogu, je vous mettrai ici un petit screen. Donc j'ai pris le câble qui mesure 15 cm, j'ai pris une pointe qui fait 8 cm pour la grande pointe et la petite pointe elle fait 5 cm. C'est plus facile pour moi, j'ai plus de facilité, en tout cas moi personnellement, qu'avec les aiguilles circulaires que j'utilisais juste avant. Voilà, moi j'ai beaucoup moins de difficultés. Là je suis en train de faire du point de sable, je continue, j'ai moins mal à ma main. La douleur de ma main est en train de partir alors que dès que j'utilisais les mini circulaires au bout de 2 ou 3 rangs, eh bien j'avais mal. Donc je suis plutôt contente. Ça me conforte dans l'idée de réessayer vraiment avec des petites circulaires. Mais avec des petites circulaires, avec un câble un peu plus, voilà, un peu plus grand parce que moi... les tout petits comme ça, j'ai beaucoup de mal. Je tenir l'aiguille, enfin, et tricoter, j'ai du mal. Alors, est-ce que ça vient de ma manière à moi de tenir mes aiguilles? Est-ce que ça vient de ma manière de faire? C'est possible aussi. Est-ce que ça vient du nombre de mailles? C'est possible. Peut-être que j'ai trop de mailles ici. Pour le tout petit circulaire que c'était, parce que c'est pareil, je trouvais que j'avais du mal à faire descendre mes mailles ou à les faire monter comparativement à quand j'utilise des câbles plus grands, voilà. Mais là ça va mieux, là c'est mieux, je vais continuer avec ceux-là que j'ai ici, que j'utilise. Je trouve que franchement ça s'utilise bien. L'inconvénient par contre c'est que c'est des interchangeables et je sais que tous ceux qui utilisent des petites circulaires ne sont pas forcément fans des interchangeables et préfèrent pour les petites circulaires plutôt utiliser des fixes, d'accord? Après, moi je les ai bien bien serrés, donc j'ai pas trop peur que ça se desserre, à voir au fil du tricot. Mais en tous les cas, là clairement, j'ai plus de facilité. J'ai plus de facilité avec... avec cela. Et c'est vrai que les mini circulaires, c'est pas évident à appréhender, même pour moi qui ai l'habitude de tricoter uniquement avec des aiguilles circulaires depuis longtemps. Les mini circulaires, je pense qu'il faut quand même encore une fois s'accrocher. Un coup à prendre, c'est pas simple. Moi, je le dis honnêtement. N'hésitez pas à partager en tous les cas en commentaire, vous, votre expérience avec les mini circulaires pour celles et ceux qui en ont déjà utilisé. N'hésitez pas à partager. En tous les cas, moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.